Bon, déjà, tu viens d'arriver. Comment ça s'est passé ton intégration? Ça s'est super bien passé. L'équipe m'a bien intégré. Ils m'ont tout de suite mis à l'aise. C'est un bon groupe, une équipe jeune et motivée. Donc, tout s'est fait naturellement. Tout est parfait sauf le pré-match à Pau. Ouah, dommage. Je voulais commencer par. On voulait commencer par un bon résultat à Pau. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais. On a la chance de pouvoir vite se rattraper contre Toulouse. Ce qui a manqué contre Pau, je pense qu'il a manqué contre Pau, c'était de concrétiser déjà le peu d'action qu'on a eu. Et je pense que défensivement, on a laissé un tout petit peu d'écart. Quand je dis défensivement, c'est le 11, l'équipe complète. Et on a bien travaillé cette semaine, on va rectifier le tir contre Toulouse. Ouais, tu disais, ta phrase, c'est le peu d'action. Ouais. Peut-être qu'il y a peu d'action, c'est ça qui pose problème. Pas forcément, parce qu'il y a des équipes, elles ont une action, elles la mettent et gagnent 1-0 et tout le monde est content. On sait qu'au football, surtout dans le haut niveau, le peu d'action que tu as, tu dois les foutre au fond et malheureusement, on n'a pas eu cette chance de pouvoir le faire. Okay. Toi, sur le terrain, tu t'es senti déjà de ton baptisme, déjà tu t'es senti à l'aise? Ouais, ça va, je me suis senti. Un groupe où tu t'étais pas intégré, sur le terrain, c'était. Non, ça va, sur le terrain, je me suis senti à l'aise, je me suis même pas senti comme un nouveau joueur. J'ai trouvé vite et rapidement mes marques. L'équipe me fait confiance, le coach me fait confiance et j'essaie de leur rendre sur le terrain. Ta place de réaction, c'est ça, la place de milieu défensif. C'est ça. Ouais. C'est ça. Devant la défense. Ouais, milieu défensif, devant la défense. Je peux aussi dépanner derrière. Ouais. Ça va. Donc là, c'est un gros match. Ouais. Toulouse, c'est bien d'avoir un match comme ça. C'est parfait. Je pense qu'en tant que compétiteur, on sait que Toulouse, c'est une grosse écurie qui vise la montée. Nous, PFC, on est là. On a des fortes ambitions aussi. C'est un club qui a de l'ambition. Les joueurs ont de l'ambition. On verra. On va se battre sur 90, 95 minutes. 95, ouais. On sait déjà, parce qu'en Ligue 2, en général, il a réduit son nom. Et on verra ce que ça va donner. C'est vrai que c'est un match qui est important, qui peut faire basculer. Exactement. Vous êtes 8e, vous êtes à 3-4 points du top 5, 3-4 points des 15e. Donc voilà, c'est un match qui peut. Ouais, exactement. C'est un match on sait que c'est un match important pour nous, qui peut nous faire basculer. On y va sans avoir les pressions. Bon, chacun sait ce qu'il a à faire à son poste et sur le terrain. On y va, on joue ce match pour gagner, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, on va tout faire pour. Quand tu vas à Toulouse, tu vois le résultat, tu vois qu'il y a 6 ans de Troxer. C'est la réussite, mais c'est impressionnant quand tu vois une équipe comme ça. Franchement, ça se voit qu'ils ont un beau groupe. Je connais 2-3 mecs là-bas, ils ont un bel effectif, ils ont un beau groupe. Après, voilà, l'année dernière, ils ont raté la montée de peu. Cette année, ils font tout pour. Nous aussi, on fait tout pour. Et comme je le redis, on n'est pas là pour leur faciliter le chemin pour aller dans l'étape supérieure et eux aussi. Donc, je pense que ça va être un très beau match. Okay.